Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la paix, que la grâce, que la bonté de Dieu soit votre partage. Bienvenue où que vous soyez. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue sur Emma Web. Et que mon Dieu soit votre Dieu. Amen. Soyez puissamment bénis. Oh, je dis soyez puissamment bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la miséricorde de Dieu soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir votre grâce. Pour recevoir ce que l'Éternel a préparé pour vous. Oui, vous êtes sur Rema Web. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, dis. Je dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toi qui dis Amen. Que Dieu change ton Amen en guérison. Bienvenue, bien-aimé dans le Seigneur en ces jours. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Je crois que le Seigneur va nous visiter. Je crois que le Seigneur va nous impacter. La Bible nous dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je suis convaincu qu'en ces jours, Dieu va faire encore. Il va faire encore pour ta vie. Il va faire encore pour ta destinée. Il va faire encore pour tes enfants. Il va faire encore pour tes finances. Il va faire encore. Dis Dieu va faire encore. Il est le Dieu de grâce. Hein? Il est le Dieu de fécondité. Il est le Dieu de productivité. Il est le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons. Il est le Dieu qui nous bénit. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il le fait suivre d'aucun chagrin. Mon frère, si Dieu dit que tu es béni, c'est que tu es béni. La vraie bénédiction ne vient pas d'un homme, mais elle vient plutôt de Dieu. Et ce matin, tu es béni. Ce matin, Dieu te dit ainsi, il va faire encore. Tu es béni. Tu es restauré. Même si tu as péché, le fait que tu as confessé tes péchés, il t'a déjà pardonné. Au lieu de vivre dans la culpabilité, recevoir les pardons en Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de te lamenter, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour ta vie dans le passé. Mon frère, arrêtez de te lamenter. Certains d'entre vous, Dieu a fait de grandes choses dans le passé. Vous devez regarder ce qu'il a fait dans le passé. Référez-vous de ce qu'il avait fait dans le passé. Si Dieu t'avait libéré dans le passé, si Dieu t'avait visité dans le passé, si Dieu t'avait guéri dans le passé, si Dieu t'avait impacté dans le passé, si Dieu t'avait restauré dans le passé, s'il a fait dans le passé, pourquoi pas il va les refaire dans le présent. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a fait dans le passé, c'est qu'il va faire encore. Que Dieu te bénisse, toi qui réponds Amen. Adi. Bien-aimé dans le Seigneur, que la bonté de Dieu, que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu soit votre partage. Amen. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons prier afin de récupérer ce que le diable a volé. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier pour que tu récupères ce que le diable a volé. C'est quoi la récupération? La récupération, c'est lorsque c'est l'action de récupérer quelque chose. La récupération, c'est l'action de récupérer quelqu'un. La récupération, c'est aussi l'action de se repositionner. Cela veut dire reprendre sa position initiale. Lorsque nous parlons de repositionnement, ou bien de repositionnement, on voit deux aspects, spirituellement parlant. On voit tout d'abord qu'on est en train de dominer ou on est sous la domination. Soit vous êtes en train de dominer ou vous êtes sous la domination. Quand Dieu avait créé le premier homme, Adam, l'objectif de cette création est que le nouveau homme ait la domination. Dieu avait dit dans Genèse chapitre 1, verset 27, « Créons l'homme à son image. » Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rompent sur la terre. » Vous voyez, Dieu avait créé l'homme à son image pour que l'homme ait la domination. Mon frère, si tu es dominé par le diable, comprenez qu'aujourd'hui, Dieu veut t'accorder la domination. Il veut te repositionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains d'entre vous, vous étiez un homme qui dominait. Vous étiez un homme qui était marié. Vous étiez une femme mariée.
Mais aujourd'hui, vous avez perdu le mariage. Aujourd'hui, vous êtes une femme divorcée. Divorcée. Dans le passé, vous étiez même dans une belle maison, un bon appartement. Vous étiez entouré par vos enfants. Aujourd'hui, votre mari vous a quitté. Vos enfants ne sont plus avec vous. Vous avez perdu le travail. Ce n'est pas normal. Certains d'entre eux, vous avez tout perdu. Vous avez perdu la santé. Vous avez perdu le mariage. Vous avez perdu les finances. Vous avez perdu le respect. Vous êtes dans la honte totale. Ce n'est pas possible. Vous êtes rejeté. Rejeté par votre mari. Rejeté par la société. Rejeté par la famille. Rejeté. Mais c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas normal. Et Dieu m'a mandaté en tant que prophète pour que vous récupériez ce que vous avez perdu. La récupération de votre destinée. La récupération de votre vie. La récupération de votre force. Il y a d'autres, vous étiez en bonne santé. Un homme qui était fort, une femme qui était forte. Vous étiez indépendante. Hein? Aujourd'hui, vous n'arrivez plus même à marcher parce que vous avez des douleurs. Vous êtes paralysé. Vous êtes dans un lit. Vous avez perdu la vie, perdu le sens de la vie. Là, vous n'avez plus la paix. Vous n'arrivez plus à dormir. Vous n'arrivez même pas à fermer vos yeux parce qu'il n'y a pas de sommeil. Là, vous êtes dans la dépression, dans la faiblesse. Laisse-moi te dire, mon frère, même si tu as perdu cela, le fait que tu en vis et tu crois en Jésus, le Seigneur que nous prions, il peut te redonner ce que tu as perdu. Le Seigneur que nous prions, il peut t'accorder la récupération. Le Jésus de la Bible, il peut te donner une seconde chance. Et moi, je suis intervenu dans ta vie pour te dire qu'en ce jour, tu auras une seconde chance. Une seconde chance pour ta vie. Et quand on parle d'une seconde chance, cela veut dire que tu récupères ce qui était à toi. La Bible déclare que je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Que le diable veuille ou pas, aujourd'hui c'est ta saison. Aujourd'hui c'est ton tour. Aujourd'hui tu vas récupérer ta destinée, récupérer ta santé, récupérer ta joie. Certains d'entre vous, vous n'avez plus de joie. Quand on vous regarde, on voit que la tristesse, on voit l'amertume dans le visage. Hein? Vous avez perdu la joie. Depuis que votre maman est morte, depuis que tes parents sont morts, depuis que ton frère est mort, tu n'arrives plus à rire. Tu as perdu le rire, tu as perdu le sourire, tu as perdu la joie. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus est capable de te redonner la joie. Le Seigneur Jésus est capable de te redonner la paix. Et aujourd'hui, je décrète en tant que prophète que tu récupères ta vie, que tu récupères ta joie, que tu récupères tes finances, que tu récupères ton mari qui t'avait quitté, que tu récupères cet homme qui t'a fui, que tu récupères cette femme qui t'a quitté, que tu récupères le travail perdu, que tu récupères ta position, que tu récupères tout ce que le diable a volé. Le diable est un menteur, il t'a fait croire que tu ne vas plus réussir, il t'a fait croire que tu ne vas plus avancer, il t'a fait croire que tu ne vas plus avoir la paix. Il t'a fait croire, il est un menteur. Il est un menteur. Je vous dis la vérité, Satan est un menteur. C'est un expert dans les mensonges. Il t'a manipulé à plusieurs reprises. Il t'a manipulé à plusieurs années. Et aujourd'hui, le Seigneur a eu pitié de toi. Il a envoyé un prophète pour te dire, écoutez, même si tu as commis une erreur dans le passé, mais ton passé ne peut pas déterminer ni ton présent ni ton avenir. Mais ton futur est déterminé par l'œuvre de la croix. Jésus a payé le prix pour toi, mon frère. Il a payé le prix pour que tu reçoives une seconde chance. Il a payé le prix pour que ce qui était perdu soit restauré. Je décrète aujourd'hui, c'est le jour de ta récupération. Récupération de ta santé. Récupération de ton âme. Récupération de ton travail. Récupération de ta destinée. Récupération de ta joie. Récupération de ton travail, récupération de cet homme qui t'a quitté. Certains d'entre vous, vous êtes toujours une femme mariée. Légalement, vous êtes mariée. Même au niveau de votre famille, on connaît que vous êtes mariée. Mais cet homme vous a fui. Il habite avec une autre femme. Moi, je décrète là où il est qu'il soit mal à l'aise. Je dis qu'il soit mal à l'aise, Karabasaka. Que c'est cette femme qui a volé ton mari. J'envoie le feu au nom de Jésus. Qu'elle soit consumée là où elle est. Qu'elle tombe par la puissance de Dieu.
qu'elle laisse ton mari Katoribiasaka. J'ai un témoignage, j'avais une soeur où elle était mariée. Elle était mariée, mais de nulle part son mari l'a quittée. Ça faisait 6 mois. Cet homme vivait maintenant avec une autre copine, une deuxième femme. Et c'était aussi son ami. Cette femme m'a appelé, elle avait mal au cœur. Elle était dans l'amertume, elle était en train de pleurer. Il y a le témoignage. Elle m'a dit, prophète, s'il te plaît. J'ai appelé beaucoup de pasteurs, j'ai appelé beaucoup de prophètes. Là, je suis au bout, je crois en vous. Je crois en vous, mon prophète. S'il vous plaît, mon prophète, mon mari m'a quitté. J'ai toujours la bague, je l'aime. S'il te plaît, aie pitié de moi. Je sais que si tu pries, ton Dieu va m'accorder la grâce. Ton Dieu va ramener mon mari dans ma maison. Ah! Elle m'a supplié, j'ai pitié de cette femme. J'ai dit, ma soeur, je te donne une semaine. Le Dieu que je prie d'ici une semaine, ton mari va retourner. J'ai dit, le Dieu que je prie, pendant que je parle, l'onction est en train de toucher ton mari. Il va retourner dans la maison. Et quand il va retourner, ne posez pas des questions. Dis, Seigneur, merci Jésus. Dis, Seigneur, dis seulement, bienvenue papa, bienvenue. Bien-aimé, il y a un témoignage clair et net. Cette femme, une semaine plus tard, son mari était de retour. Son mari ne comprenait pas. Il disait seulement, « Maman, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. » Cet homme était sous l'envoûtement. Cet homme était manipulé par cette femme, Karabakata. Une femme qui l'avait manipulé. Vous savez, il y avait des femmes méchantes qui peuvent voler votre mariage. Et aujourd'hui, cette femme, elle a récupéré son mari. Elle est dans la paix. Il y a un témoignage, je vous dis la vérité. Cette femme habite en Afrique du Sud, en Johannesburg. Batarabakata. Je décrète au nom de Jésus que l'onction te localise afin que tu récupères ce que le diable a volé. Récupération de ta vie. Récupération de ton mari. Récupération de ton mariage. Récupération de ta joie, récupération de ton travail, récupération de tes pensées, récupération de l'intelligence. Certains d'entre vous, quand vous étiez petit, vous étiez un homme très intelligent, un enfant qui avait l'avenir. Quand vous étiez une jeune fille, il y avait l'avenir. Vous étiez très intelligente. Mais depuis un certain temps, c'est comme si on a volé votre intelligence. C'est comme si vous n'arrivez plus à réfléchir. Laisse-moi te dire que c'est la vérité. Le diable a volé ton intelligence. Le diable a volé ta mémoire. Le diable a volé ce matin que tu récupères ta sagesse. Reçois ces paroles. J'impacte ton âme. J'impacte tes pensées. J'impacte ton corps. J'impacte ta vie. Balancieux. Oh my God. Priez là où vous êtes. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Sois béni ce matin. Sois le fidèle à Dieu. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons. Le Dieu qui fait au-delà de nos pensées et de nos limites. Père, merci pour ta présence. Père, merci pour ta grâce. Père, merci parce que tu es Dieu. Je te dis merci, Père. Merci parce que le ciel est ouvert. Tu es le Dieu d'une seconde chance. Père, merci parce que le ciel est ouvert. Béni soit ton nom, toi, le fidèle à Dieu. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Béni soit ton nom, toi, le fidèle à Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu qui nous donne une seconde chance. Le Dieu en qui nous nous confions. Mon frère, priez et remerciez le Seigneur. Louez-le, il est bon. Le Dieu de la Bible est réel. Je vous dis la vérité, le Dieu de la Bible est réel. Il est lent en colère et en bonté. Il est compatissant. Il est un Dieu de grâce. Ce matin, sa grâce est disponible pour toi. Ce matin, il t'a donné la vie. Ce matin, tu respires. Au lieu de te lamenter de gauche à droite, regardez ce que tu as la vie. Tant que tu as envie encore de l'espoir. La Bible nous dit qu'il vaut mieux un chien mort qu'un lion. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tu es en vie, mon frère. Ne te lamente pas. Par contre, remercie Dieu. Remercie le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Beaucoup de gens veulent avoir la vie que tu as. Tu respires de toi-même, tu marches de toi-même, tu vois, tu parles, tu écoutes. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout ce qu'il faut.
pour que ta vie soit restaurée. Remercie le Seigneur, il est bon. Tendre Père, merci pour la vie. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Il est écrit que Christ en moi l'espérance de la gloire. Tu es l'espoir de ma vie. Tu es l'espoir de ma destinée. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Je te célèbre. Merci, tu es le Dieu de ma vie. Merci, tu es le Dieu de mon âme. Le Dieu de ma destinée. Le Dieu en qui je crus. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. En ces jours, je peux que te remercier. En ces jours, je peux que te bénir. En ces jours, je peux que te glorifier, toi le fidèle à Dieu. Le Père de gloire, c'est toi. Le Père éternel, c'est toi. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Je te dis merci pour ta sainte présence. Je te célèbre, toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour une seconde chance. Merci parce que je respire. Merci, Père, pour ta présence. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es réel. Merci pour ma vie. Merci pour la santé. Merci parce que je respire. Merci parce que je bouge. Merci parce que je vois. Je peux voir avec mes yeux. Cela veut dire que tu m'aimes. Je peux écouter de moi-même. Je peux marcher. Je peux bouger mes mains. Je peux bouger mes pieds sans problème. Et je dois te dire merci pour cela. Je suis en vie, Seigneur. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Merci pour tout ce que j'ai, Seigneur. Merci pour ce que je suis, Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette journée que tu m'as donnée. Merci pour cette nouvelle semaine. Une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine de restauration, une semaine de paix, une semaine d'amour qui vient du ciel, une semaine de force, Père. Béni soit ton nom, tu as le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de mon alliance, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma destinée, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mes genoux, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu de ma jeunesse, c'est toi. Tu m'as appelé de le bas âge, Seigneur, par ta grâce et par ton amour. Reçois l'honneur, la puissance. Reçois l'élévation. Reçois l'honneur. Reçois la domination. Reçois la sagesse. Reçois l'intelligence. Reçois la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites la gloire. Béni soit ton nom, le Créateur incréé, le Créateur de ma vie. J'ai un Créateur et mon Créateur est vivant. Mon Créateur est réel. Mon Créateur, il a tout créé. Mon Créateur est mon Père. Mon Créateur est mon Papa. Mon Créateur, c'est lui qui m'a donné la vie. Je viens de toi, Seigneur. Je suis créé à ton image. Ô Père, merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus de Nazareth, viens m'écouter. Écoutez, chers chrétiens, nous allons prier et que la grâce du Seigneur soit notre partage. La grâce. Écoutez, chers chrétiens, tu as besoin de la grâce pour cette nouvelle semaine. Tu as besoin de la grâce pour ta vie. Tu as besoin de la grâce pour réussir. Tu as besoin de la grâce pour récupérer ce que tu as perdu. Bien-aimés, on va prier. Premier point de prière. Le Seigneur que nous prions, il peut restaurer ta vie. Il peut délivrer ta vie. Il peut te restaurer, te tracer, te placer, te positionner dans un nouveau chemin. Et cela est possible par la grâce. La grâce de Dieu te permettra de récupérer ce que tu as perdu. Dans le premier point de prière pour la récupération, nous allons implorer la grâce dans nos vies. La grâce en ces jours. La grâce pour que Dieu te voie. La grâce pour que Dieu ait pitié de toi. Vous savez, quand la grâce vient sur ta vie, mon frère, au lieu d'être disqualifié, tu seras qualifié. Parce que la grâce vient pour nous qualifier. Quand la grâce vient dans ta vie,
Au lieu d'être à la dernière place, tu seras à la première place. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, au lieu de pleurer, tu vas te réjouir. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, au lieu d'être malade, tu seras en bonne santé. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, elle viendra pour t'impacter. Premier point de prière. Dis Seigneur, regarde-moi. Vois-moi avec tes yeux compatissants. Souviens-toi de ce que Jésus a fait pour moi. En cette nouvelle semaine, en ces jours, souviens-toi de moi, Seigneur. Dis Seigneur, souviens-toi de moi à cause de ta bonté. Mon frère, commence à prier. Que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tes enfants, qu'il se souvienne de ton corps, qu'il se souvienne de ta santé, qu'il se souvienne de tes finances à cause de l'œuvre de la croix. En Jésus-Christ, mon frère, tu auras la grâce. En Jésus-Christ, mon frère, la grâce va te localiser. Il y a certains d'entre vous, vous voulez avoir la guérison. Vous voulez avoir le miracle. Oui, je vous comprends. Mais ne cherchez pas le miracle. Ne cherchez pas la guérison. Cherchez la grâce. Parce que quand la grâce vient, c'est alors que vous aurez votre miracle. Premier point de prière, la grâce. Priez pour que la grâce de Dieu soit ton partage. La grâce pour cette journée. La grâce pour cette nouvelle semaine. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Pata rasize akorobokata. Pata rikasuria seke. Katura sise kiato. Debe katia seke. Père, merci parce que tu es le Dieu des grâces. Je n'ai que toi, Seigneur. Tu es l'espoir de ma vie. J'implore ta grâce, Seigneur, en ce jour. Que la grâce soit mon partage. Que ta grâce me voie. Que ta grâce me localise. Que ta grâce, Seigneur, soit mon partage. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. La grâce pour la prière. La grâce pour te chercher. Il est écrit dans la parole, oui, la loi était venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Viens pacter ma vie en ces jours. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, par ton esprit. Viens, Seigneur, par ton esprit, de renouveler la grâce, de m'accorder une grâce nouvelle pour la prière. Une grâce nouvelle qui vient du ciel. Renouvelle la grâce, Seigneur. Renouvelle ma force. Renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma santé. Renouvelle ma joie. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma force. Renouvelle l'espoir. Renouvelle la vie de prière. Renouvelle, Seigneur, ma force. Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvelle leur force. Père Dieu des grâces, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Rasi katoroboiki bata. Bata rasi korobokarabataka. Que ta présence, Seigneur, soit mon partage. Que ton onction soit mon partage. Que ta puissance soit mon partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, écoutez. Deuxième point de prière. Premier point de prière, je dis la grâce. Il te faut la grâce pour récupérer ce que le diable a volé. Deuxième point de prière. Satan, il peut voler ta vie. Mais tant que tu as envie encore de l'espoir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, deuxième point de prière, c'est la foi. Le premier point de prière pour récupérer ce qui était perdu, tu auras la récupération par la grâce. Le deuxième point de prière, pour que tu récupères ce qui est perdu, bien ce que le diable a volé, c'est par la foi. C'est par la foi. Mon frère, la foi est une richesse. On peut tout voler dans ta vie. On peut voler ta destinée. On peut voler ta force.
On peut voler ton mariage. On peut voler ton corps. Satan, c'est un voleur. Il peut voler ta destinée. Mais le fait que tu as la foi te permettra de récupérer tout ce que le diable a volé. La Bible déclare, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore. Deuxième point de prière, la foi. Du Seigneur, même si j'ai perdu ma destinée, même si j'ai perdu ma force, même si j'ai perdu mon travail, même si j'ai perdu mon père ou ma mère, mais j'ai la foi. Aide-moi de croire en toi. Aide-moi de m'appuyer en toi, de croire en Jésus, de continuer de rester dans ta présence. Allez, répétez après moi, dis mon Père. Répétez après moi, dis mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth, accorde-moi la grâce de croire en toi, que je demeure en toi. Mon Père, garde ma foi. Garde ma foi. Garde ma foi. Que je garde ma foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, aide-moi de rester dans ta présence, de demeurer dans la foi, de rester dans la foi, de croire en ton Fils Jésus, de croire que c'est possible, de croire que cette journée est une journée spéciale, de croire que c'est encore possible, de croire qu'il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit, de croire au miracle, de croire à la délivrance, de croire à la délivrance, de croire à une seconde chance. Allez, montez de la prière. Montez de la prière. Monte de la prière. Monte de la prière. Monte de la prière. Monte de la prière. Priez maintenant, mon frère. Deuxième point de prière, la foi. C'est pas la foi que tu seras sauvé. C'est pas la foi que tu seras délivré. C'est pas la foi que tu vas te marier. C'est pas la foi que tu auras ton miracle. C'est pas la foi que tu seras délivré. C'est pas la foi que tu vas avoir les enfants. C'est pas la foi que tu vas te marier. C'est pas la foi que tu vas récupérer ton travail. C'est pas la foi que tu vas récupérer ta santé. C'est pas la foi que tu vas acheter la maison. C'est pas la foi que tu vas acheter l'immeuble. C'est pas la foi que tu vas construire ta maison. C'est pas la foi que tu auras la voiture. C'est pas la foi que tu vas devenir un millionnaire. C'est pas la foi, mon frère, que ta famille sera sauvée. C'est pas la foi, Kataria Saka. Montez dans la prière. Priez, 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 priez. Monte, monte. Augmente la dose. Vibrez ce matin. Vibrez dans la prière. Je vais avoir de vibrations. Vibre, mon frère. Vibre dans la prière. Vibre de la prière, monte de la foi, monte de la prière, augmente la dose, augmente la dose, augmente la dose de la prière. Ouvre ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, kata, riba kata. Père, je prie au nom de Jésus, aide-moi de croire en toi. Ce matin, Seigneur, accorde-moi la grâce. La grâce pour croire en toi, au nom de Jésus, que je croie, Seigneur, que c'est encore possible, que c'est possible, que c'est possible pour ma famille, que c'est possible pour ma mère, que c'est possible pour mes frères, que c'est possible pour mes soeurs, que c'est possible, Seigneur, pour que ma famille soit sauvée. C'est possible, Seigneur, pour que ma famille soit sauvée. C'est possible, Seigneur, pour que mes cousins soient sauvés, que c'est possible, Seigneur, et pour que le salut vienne dans ma famille. C'est possible de devenir millionnaire dans le Seigneur. C'est possible, Seigneur, d'avoir un grand ministère. C'est possible, Seigneur, de faire de grandes choses. C'est possible, Seigneur, de récupérer ce que le diable a volé. C'est possible, Seigneur, d'impacter ma génération. C'est possible, Seigneur, de sauver des âmes. C'est possible, Seigneur, de sauver des millions d'âmes. C'est possible, Seigneur, d'impacter ma génération. C'est possible, Seigneur,
d'être renouvelé, d'avoir une intelligence renouvelée. C'est possible de vivre la transformation. C'est possible de changer ma vie, de changer ma situation. C'est possible, Karabasaka, Ribatorobokiataka. Aide-moi de croire en toi, de m'appuyer sur toi, de croire en ta parole. C'est possible, Seigneur. C'est possible, Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini pour moi. Ce n'est pas encore fini pour ma destinée. Aide-moi, Seigneur, d'avoir la foi en toi, de croire en Jésus. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Seigneur, merci. Aide-moi à croire en toi, qu'aujourd'hui, c'est encore possible. C'est possible de vivre à la lumière. La lumière céleste, la lumière divine. C'est possible, Seigneur, de ne plus marcher dans le ténèbre. C'est possible, Seigneur, d'être éclairé par la foi, d'être éclairé par ta puissance. C'est possible, Seigneur, qu'il y ait de miracles. Le temps de miracles n'est pas passé. C'est possible, Seigneur, de croire que ce mois ne finira pas ainsi. C'est possible, Père, aide-moi de croire que cette semaine est une semaine bénie. Aide-moi de croire que dans cette semaine, je veux voir ta main et qu'aujourd'hui, je veux voir ta main. Aide-moi de croire aux bonnes connexions, des bonnes relations. Merci, Père. C'est possible, Seigneur, que tu envoies des bonnes personnes dans mon chemin. C'est possible, Seigneur, que tu mettes tes anges dans mon chemin. C'est possible, Seigneur, aide-moi de croire en toi, d'avoir le regard fixé sur toi. C'est possible, Seigneur, que ce ministère de Rema Web ait de l'impact. C'est possible, Seigneur, que nous allons dépasser 300 000 abonnés. C'est possible, Seigneur, que nous allons commencer à voir 2 000 personnes qui nous suivent en direct. C'est possible, Seigneur, il y aura plus de 1 000 personnes qui nous suivent en direct. C'est possible, Seigneur, qu'il y aura de millions d'âmes gagnées par Rema Web. Il y aura de millions d'âmes gagnées. C'est possible de gagner des âmes. C'est possible, Seigneur, d'avoir de l'espérance. Aide-moi de croire en toi. Alléluia, alléluia. C'est possible, Seigneur. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé. Troisième point de prière. Troisième point de prière. L'onction. Moi, je suis un homme d'onction. J'aime l'onction parce que j'aime le surnaturel. Oh, il faut aimer le surnaturel. Il faut aimer le surnaturel. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois en Dieu. Et je crois aussi au surnaturel. Troisième point de prière. Le premier point de prière, j'avais dit, tu peux récupérer ta vie par la grâce. Le deuxième point de prière, j'avais dit, tu peux récupérer ta vie par quoi? Par la foi. Le troisième point de prière, tu peux récupérer ta vie par l'onction. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction. Le mot chrétien signifie Christos en grec. Et quand on parle de Christos, cela veut dire loin de Dieu, celui qui est loin. Et Jésus, il est loin de Dieu. Dans Luc 4, 17, la parole déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc Jésus était oint, et c'est la raison pour laquelle il faisait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Il chassait des démons. C'était quoi le secret? L'onction. Et Jésus n'est pas avec nous physiquement. Il est assis à la droite de Dieu, le Père. Il intercède pour nous. Mais néanmoins, il nous a laissé l'onction. Par notre foi en Jésus, nous avons ce qu'il avait. Par notre foi en Jésus, nous avons la capacité spirituelle, la capacité surnaturelle de faire des miracles, de chasser des démons, de débloquer notre situation. Troisième point de prière, l'onction. Cher chrétien, il te faut l'onction. Moi, parfois, je suis étonné de voir des chrétiens qui pleurent. Tu as l'onction, mais tu pleures. Satan te fait pleurer, ce n'est pas possible. Tu as l'onction, mais Satan bloque ta vie, ce n'est pas possible. Tu as l'onction, mais tu vis dans la pauvreté totale, dans la misère. Non, ce n'est pas possible. Tu as l'onction, mais tu pleures parce que tu as mal au dos.
Tu as l'onction, mais tu pleures parce que Satan te tourmente la nuit. Tu n'arrives pas à dormir parce qu'il y a un petit démon qui te tourmente. Il y a un démon, un mari de nuit, une femme de nuit. Oh mon Dieu! Non! Tu vas prier. L'onction va les déloger. L'onction va chasser ces démons. L'onction va te libérer. L'onction va t'accorder la récupération. Même si tu n'as pas de travail, l'onction va attirer le travail vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es malheureux. Quand l'onction vient, tu seras heureux. L'onction va t'accorder la joie. L'onction va t'impacter. L'onction va transformer ta vie. L'onction va débloquer Darui qui m'attaque. Allez répéter après moi, dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Que je vive dans l'onction. Mon Père, que je récupère ma vie par l'onction. Que l'onction touche mon âme. Que l'onction touche mon âme. Que l'onction touche mon corps. Que l'onction touche à mes os. Que l'onction touche à mon sang. Mon Père, que l'onction touche mon sang. Que l'onction touche mon sang. Que l'onction touche mon ADN. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, envoie la puissance. Envoie la puissance. Envoie la puissance. Que l'onction inonde ma vie. Que l'onction trouble ce qui ne marche pas. Que l'onction me repositionne. Que l'onction. Que l'onction de Jésus touche mon sang, mon sang, mon sang, mon sang, mon corps, mon corps, mon corps, mes os, mes os, mes os, mes os, mon corps, ma tête, mes pieds, au nom de Jésus, mes pensées, mes pensées, mes pensées, mes muscles, que je sois touché par l'onction. Allez monter dans la prière, Kadatoria Kata. Priez que l'onction de Dieu te touche. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes appelés à vivre à l'esprit naturel. Dis que l'onction me libère. Que l'onction me donne un miracle. Que l'onction touche mes pieds. Que l'onction touche mes genoux. Que l'onction touche mon corps. Que l'onction touche mon dos. Que l'onction touche ma tête. Barribakatatarabaseke. Il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu peux recevoir l'onction gratuitement. Allez, monter dans la prière. Tu n'arrivais plus à dormir. Dis, Seigneur, que ton onction me repositionne. Que l'onction par l'Esprit de Dieu me fortifie. Que l'onction par l'Esprit de Dieu m'impacte. Que l'onction par l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Le diable te donne des coups à gauche, des coups à droite. Le diable a paralysé ton corps. Le diable a paralysé ton sommeil. Le diable a volé ton mariage. Il a volé. Là, tu es marié avec un démon. Au lieu de te marier avec une femme, au lieu de te marier avec un homme, tu es marié avec un démon. Non, ce n'est pas possible. Dis, Père, libère-moi par l'onction. Au lieu de te marier, mais tu es marié avec un démon. Oh, au lieu de te marier avec un homme, tu es marié avec un démon. Ces démons viennent vers toi. Chaque nuit, il vient et couche avec toi. Chaque nuit, il couche avec toi. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Allez monter dans la prière. Dis l'onction. Que l'onction, que l'onction impacte. Père, impacte mon âme. Impacte mon âme. Impacte mon âme. Impacte mon âme. Touche mon âme. Touche mon âme. Touche mon âme. Touche mon âme, libérez-moi par ton onction, impacte mon âme, impacte mes pensées, que ton onction me touche. Accorde-moi une onction fraîche, une onction fraîche, une onction fraîche, que l'onction débloque ma vie, que l'onction débloque ma situation, que l'onction m'impacte, que l'onction me transforme, que l'onction me transforme. Au nom de Jésus, impacte-moi, Père. Impacte-moi, Père. Impacte-moi, Père. Impacte-moi, Seigneur. Délivre-moi par ton onction. Que je vive le surnaturel. Que je sois un homme de puissance et de feu. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus de Nazareth.
J'ai besoin de toi, Seigneur. Une onction nouvelle, Seigneur. J'ai besoin d'une onction fraîche, une dose nouvelle, une dose qui vient du ciel. J'ai besoin d'une nouvelle dose. Une nouvelle dose de puissance, une nouvelle dose de la spiritualité, une nouvelle dose d'onction. Donne-moi une dose nouvelle ce matin, Père. Impacte-moi, change-moi, transforme-moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai besoin de vivre le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé. Quatrième point de prière. Quatrième point de prière. La vision. La vision te permettra de récupérer ta vie qui est perdue. La vision te permettra de voir de nouvelles choses. La vision te permettra d'espérer à nouveau. Mon frère, si tu as essayé dans le passé, ça n'a pas marché. Cela ne veut pas dire que ça ne marchera pas dans le présent. Non. Et Dieu m'a mandaté comme prophète pour te dire, ayez une vision nouvelle. Voyez de nouvelles choses. Mon frère, ma sœur, tu auras que ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas, tu ne l'auras pas. Je suis étonné. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais sans vision. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église juste parce qu'ils sont habitués. Ne venez jamais dans la présence de Dieu parce que tu es habitué. Non. Venez avec une nouvelle vision. Quatre points de prière à la vision. La vision, c'est ce que tu vois. La vision, c'est ce que tu espères. On espère lorsqu'on voit quelque chose. Tu ne peux pas espérer sans vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux te marier, c'est bien. Mais est-ce que tu vois le mariage? Tu veux avoir un grand ministère, c'est bien. Mais est-ce que tu vois la grandeur de ce ministère? Tu veux avoir la guérison, je comprends. Mais qu'est-ce que tu vois? Dieu te donnera ce que tu vois. Quatre points de prière, la vision. Répétez après moi, dis mon Père. Et je veux que quand tu pries, mets ta main droite sous tes yeux. Que ta main droite couvre tes deux yeux. Mettez ta main droite. Pose-la sur tes deux yeux. Pose-la sur ton visage. Répétez après moi, dis mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth, que je récupère ce que j'ai perdu. Par une nouvelle vision. Mon Père, ouvre mes yeux spirituels. Mon Père, que je voie de nouvelles choses. Mon Père, que je voie la grâce. Que je voie la transformation. Mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi une nouvelle vision. Que je voie autrement. Au nom de Jésus, priez. Allez, priez. Priez, korobo sarabasi andorobo kata. Pose la main droite, priez. Pendant que tu pries, Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas voir de nouvelles choses. Tu vas espérer à nouveau. Tu vas voir de nouveaux projets. Tu vas voir, même si tu n'as pas de famille aujourd'hui, Dieu va t'accorder une nouvelle famille. Tu n'es pas marié, ne t'inquiète pas. Dieu va t'accorder le mariage. Tu n'as pas de moyens financiers, ne t'inquiète pas. Dieu t'accordera des moyens financiers. Tu es malade, ne t'inquiète pas. Dieu t'accordera la guérison. Ferme tes yeux, priez. Karabasiya torobokite. Je dis, ferme tes yeux, priez. Père, merci pour une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Une nouvelle vision, Père, pour ma destinée. Je vois des grandes choses, Seigneur. Je vois de nouvelles choses. Je vois de nouveaux projets. Je vois, Seigneur, ma vie changer. Je vois ma vie transformée. Je vois ma vie à du succès. Je vois que cette journée est bénie.
Je vois que ma vie est bénie. Mon frère, priez, vois des nouvelles choses. Pose ta main droite sur ton visage. Pose ta main droite sur le visage. Ferme tes yeux, priez. Ferme tes yeux, priez. Pendant que tu fermes les yeux, le Saint-Esprit va te montrer des choses. Pendant que tu fermes tes yeux, avec la main droite sur le visage, avec la main droite sur ton visage, tu vas voir ce que Dieu va faire en ces jours. L'homme, il est le résultat de ce qu'il voit. Si tu vois la grandeur, tu auras la grandeur. Si tu vois les succès, tu auras les succès. Mais si tu ne vois pas les succès, tu n'auras rien du tout. Aujourd'hui, Dieu t'aime. Karabasé à Toroboke. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour une nouvelle vision. Merci Seigneur pour une nouvelle destinée. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour ce nouveau mois. Merci Seigneur pour mon ministère. Mon ministère est béni. Merci Seigneur parce que je vais gagner beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes seront sauvées, Seigneur, par ce ministère. Merci, Seigneur, parce que dans mon ministère, je vois des guérisons, de miracles, de délivrances. Merci parce que ma famille est bénie. Je vois moi et ma famille te servir. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu de faveur. Merci parce que je vois des grandes choses. 2023 est une année pour une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension des grâces, une nouvelle dimension des faveurs, une nouvelle dimension des puissances, une nouvelle dimension des succès, une nouvelle dimension des transformations, une nouvelle dimension des faveurs. Je vois, Père, de nouvelles choses. Elles sont là, Seigneur. Elles sont là, Seigneur. Dans ma gauche, je vois de nouvelles choses. Dans ma droite, je vois de nouvelles choses. Je vois, Père, de signes et de prodiges qui m'accompagnent. Merci parce que la journée est bénie. Merci, Seigneur, parce que tu es le soleil de la justice. Tu es le soleil de ma vie. Merci, Père, parce que 2023 est une année bénie. C'est une année où je vais battre les records. Je vais battre les records, Père, parce que 2023, c'est mon année. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon tour. C'est mon tour, Père, pour me réjouir. C'est mon tour pour entrer dans ma destinée. Aujourd'hui, c'est mon tour. C'est ma saison. Je vois que c'est ma saison. Ma saison de grâce. Ma saison de miracle. Je vois des grandes choses, Seigneur. Viens de m'écouter. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit une femme qui s'appelle Melinda. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit le nom d'une femme qui s'appelle Melinda. Une femme qui s'appelle Melinda. Vous écoutez ce message. La sœur Melinda est désespérée. La sœur Melinda est perturbée. La sœur Melinda, je te vois désespérée. Je te vois avec de larmes dans tes yeux. Mais le Dieu qui t'a créé est en train de te parler en te disant, ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de pleurer. Parce que c'est un temps nouveau. Un temps nouveau pour espérer. Un temps nouveau pour te réjouir. Un temps nouveau pour la grâce. Sœur Melinda, lève la main droite, je vais prier pour toi. Là où tu es ma sœur, reçois la grâce. Là où tu es ma sœur, sois impacté par la puissance de Dieu. Là où tu es ma sœur, reçois la bonté de Dieu. Là où tu es ma sœur, j'impacte ton âme et ton esprit. Sœur Melinda, élève la main droite, reçois l'impactation divine, reçois la puissance divine. Au nom de Jésus de Nazareth, je décrète, je prophétise que tu ne vas plus pleurer. Finis le désespoir. Vois l'espoir. Finis le ténèbre. Reçois la lumière. Finis les blocages. Reçois les déblocages. Finis la pauvreté. Reçois la richesse. Finis la maladie. Reçois la guérison. Reçois ces paroles
Que l'onction te touche là où tu es. Que la puissance du Seigneur soit ton partage. J'impacte ton âme par la puissance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, récupère les souris. Récupère la joie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, cinquième point de prière. Le cinquième point de prière pour que tu récupères ta vie, c'est par le feu. Le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, il te faut le feu. Beaucoup d'entre vous, vous priez. Mais il n'y a pas le feu. Vous priez. Mais même le diable, il est à l'aise. Vous priez. Mais en vous, il y a une mauvaise semence. Donc, vous aurez du mal à récupérer ce qui est perdu. Pourquoi? Parce que Satan est au-dedans de vous. Il est à l'aise. Il est à l'aise au-dedans de vous. Vous priez, mais avec un démon caché. Vous priez, mais en vous, il y a un poison spirituel. Vous priez, mais il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse en vous. Non. C'est que vous avez besoin de feu. Le feu te permettra de récupérer ce qui est perdu. Nous allons prier. Élève tes deux mains. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, la Bible me dit que tu fais de tes serviteurs de flammes et de feu. Fais de moi un homme de feu. Fais de moi une femme de feu. Mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, que toutes ces monstres qui ne viennent pas de toi, que toutes ces monstres de Satan, que toutes ces monstres de la pauvreté, que tout poison spirituel dans mon âme, que tout esprit qui n'est pas de toi en moi, que toute présence maléfique qui trouble ma vie, que toutes ces monstres qui est derrière mes échecs répétitifs, au nom de Jésus de Nazareth, que ton feu me touche, que le feu me touche, que le feu touche mon âme, que le feu de l'esprit, que le feu me localise, que le feu touche mon âme, que le feu de l'esprit touche mon corps, que le feu de l'esprit touche mon esprit, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu me libère, que le feu, allez prier, que le feu de l'esprit soit ton partage, allez monter dans la prière. Tu pries, mais Satan n'a pas peur de toi, parce qu'il n'y a pas le feu. Tu pries, mais le diable est à l'aise. Amen. Priez, Karabakaduriakata. Que le feu, que le feu de l'esprit, que le feu de l'esprit, que le feu te libère. Rabasi Arubo Karabakata. Père, fais de moi un homme de feu. La Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant. Au nom de Jésus de Nazareth, que le feu de l'esprit, 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 que le feu de l'esprit envahisse mon âme, envahisse mon âme, que ce matin, que je vois le feu, le feu, le feu, que le diable qui trouble mon âme, que ces démons qui m'oppressent, qu'ils soient jugés par le feu. Le feu, c'est le symbole du jugement. Le feu, c'est le symbole du jugement. Au nom de Jésus de Nazareth, que toutes tes semences qui n'est pas de toi, mauvaises pensées, forteresses démoniaques, me libère par le feu, me libère par le feu. On fait de récupérer ma vie, on fait de récupérer ma destinée. In the name of Jesus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui est le feu de l'esprit, 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 touche mon âme, qui est le feu de l'esprit, touche mon âme, qui est le feu de l'esprit, touche mon âme, que le feu de l'esprit poursuive ces démons qui est en train de me poursuivre, que le feu de l'esprit met en fuite ces démons, les démons de ma famille, démons de l'enfer, esprit de famille, mais le mal à l'aise n'est pas le feu, que le feu de l'esprit
Le chasse maintenant. Que le feu de l'esprit libère ma maison. Que le feu de l'esprit libère ma famille. Que le feu de l'esprit libère mes finances. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le feu de l'esprit fire. Alléluia. Viens m'écouter. Dernier point de prière. Dernier point de prière. Le dernier point de prière, écoutez. Dernier point de prière, après nous allons clôturer cette prière. La Bible m'a dit, soyez toujours dans la joie. Je le répète, soyez dans la joie. Ça, c'est l'apôtre Paul. La joie est une force que nous avons de la part de notre Dieu. On a des chrétiens qui n'ont plus la joie. Bien-aimés, certains d'entre vous, quand vous regardez, vous dégagez la tristesse, vous dégagez l'amertume. Pourquoi? Parce que votre âme est brisée. Vous avez perdu une partie de votre vie. Et cela a causé le chagrin de l'âme. Mais nous allons prier la récupération de votre joie. Vous étiez une femme souriante, un homme souriant. Quand vous voyez, on vous voyait vraiment que vous étiez plein d'espoir. Mais aujourd'hui, quand on vous regarde, on voit qu'il y a une tristesse. On voit l'amertume. Non, ce n'est pas ta vie. La vie que tu as, ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. La vie de tristesse, ce n'est pas la vie que Dieu a préparée pour nous. Romains chapitre 14, verset 17. La Bible m'a dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Comment est-ce que les chrétiens ne sont pas dans la joie? En réalité, il fallait que nous soyons le plus joyeux de tous. Mais par contre, même les païens sont plus joyeux que nous. Ce n'est pas possible. Même les païens sont plus joyeux que toi. Un païen qui n'a pas Jésus, il a plus de joie que toi. Toi, tu as Jésus, mais tu dégages l'amertume. Quand on te regarde, on sent vraiment la tristesse. Non, la joie. La joie. Il te faut la joie. Quand tu es dans la joie, tu seras en bonne santé. Quand tu es dans la joie, tu vas vivre aussi longtemps. Scientifiquement parlant, les hommes qui rient beaucoup, ils vivent longtemps. Quand tu es dans la joie, allez répéter après moi, dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, que la joie soit mon partage. La joie par le Saint-Esprit. La joie par le Saint-Esprit. Mon Père, que la joie soit mon partage. Mon Père, que la joie soit mon partage. Au nom de Jésus, mon Père, que la joie me localise. Que j'ai la joie. Donne-moi la joie que j'ai perdue. Donne-moi les souris que j'ai perdues. Allez, prions au nom de Jésus de Nazareth. Dernier point de prière, la joie. Allez, monter dans la prière. Père, la Bible déclare que le royaume des cieux, ce n'est ni les manger ni les boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Parmi des signes qui montrent que nous avons le royaume des dieux, c'est la joie. Que la joie soit mon partage. Que je sois dans la joie. Que la joie soit mon partage. La joie de vivre. La joie de vivre. Parce que j'ai Jésus. J'ai l'espoir. J'ai mon Rédempteur. Mon Rédempteur est vivant. J'ai un avocat qui défend ma cause. J'ai un avocat qui intercède pour moi. J'ai un avocat, Seigneur. Donc, je dois être dans la joie. Je suis joyeux, Père. Merci pour la joie. Merci, Père, parce que j'ai la vie.
J'ai l'espoir. Je suis béni physiquement et je suis béni spirituellement. Un jour, je vais voir le Seigneur Jésus. Un jour, je serai enlevé. Un jour, je vais voir mon maître face à face. Un jour, je vais voir Abraham. Un jour, je vais voir Moïse. Un jour, je vais voir Élie. Un jour, je vais voir ceux qui sont morts dans le Seigneur. Donc, ça doit me donner la joie. Un jour, je vais voler comme Superman. Un jour, je vais quitter cette terre et je serai monté. Je vais monter dans le ciel. Un jour, mon Seigneur, je vais te voir. Un jour, je serai dans le paradis, Karaïsariasaka. Un jour, Seigneur, je vais être dans la joie. Je n'ai pas le droit d'être dans l'amertume. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps, de me lamenter, de non, non, la tristesse n'est pas mon partage. Un jour, Seigneur, un jour, et ça commence aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. J'ai le Saint-Esprit. Dieu le Père habite en moi. Alléluia. Viens de m'écouter, restez calme. C'est le temps de déclaration prophétique. C'est l'heure de déclaration prophétique. Récupération de ta vie. Dieu t'a créé pour que tu vives. Mais on a des chrétiens qui ne vivent pas. Juste parce que tu existes, cela ne veut pas dire que tu vives. Tu peux exister, mais tu ne vis pas. Mais Jésus était venu pour qu'on ait la vie et que cette vie soit dans l'abondance. J'ai prié pour toi que tu espères à nouveau, que tu croies à nouveau au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi que cette semaine soit bénie, que ta vie soit bénie au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi et encore l'espoir pour toi, mon frère. Ma soeur, je vois que ta vie, il y a plein d'espoir. Parce que je vois des grandes choses qui t'arrivent. J'ai prié pour toi que tu vives la bénédiction de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est béni. C'est un Dieu qui est grand. Et je prie pour toi que tu vives la grandeur. Mon frère, si Dieu est grand, est-ce que tu crois que ta vie est petite? Non. Vois des grandes choses. Je prie pour toi que la grandeur soit ton partage. La grandeur de la foi. Que tu sois un géant spirituel. Que tu sois un homme de foi. Une femme de foi. Je prie pour toi que la grandeur soit ton partage. La grandeur dans le business. La grandeur dans les affaires. Au nom de Jésus de Nazareth. La grandeur dans le mariage. Ma soeur, si tu n'es pas encore mariée, il ne faut pas voir que tu vas te marier avec un homme pauvre. Un homme qui est gamin, excusez les mots. Un homme qui n'a pas d'espoir, pas d'ambition. Un homme qui n'est même pas beau. Oh! J'ai prié pour toi que tu t'es marié avec un beau gars, que tu t'es marié avec un homme riche, que tu t'es marié avec un homme intelligent, que tu t'es marié avec un homme qui a des ambitions, parce que toi-même, tu es une femme de grandeur. Il faut être connecté avec des hommes qui sont grands. Ne vous limitez pas, Karasi Aturiakata. On a des femmes qui se sous-estiment. Ah, tu es une femme qui a la grâce, mais tu es avec un homme qui te bat, un homme qui te donne des coups, un vaurien, un homme qui n'a même pas fini de ses études humanitaires. Tu es en concubinage, avec un homme qui n'a pas de travail, avec un homme qui n'espère rien du tout. Non, ma soeur, ne vous limitez pas. Je prie pour toi que tu te maries avec un homme qui est grand. Et c'est pareil aussi avec des hommes. Que la grandeur soit ton mari, son partage. J'ai béni ta vie, mon frère. Ne te sous-estime pas.
parce que Dieu est grand. Que la grandeur soit ton partage. Même si vous avez un travail aujourd'hui, ne vous limitez pas seulement avec ce travail. Ça fait 15 ans que tu es dans le même travail. Plus de 10 ans dans le même travail. Même salaire. Mon frère, ne te limitez pas. Le travail que tu as, c'est une bénédiction. Mais Dieu ne se limite pas seulement par ce travail. Dieu est plus que le travail. C'est bien d'avoir le travail. Mais moi, je vois que tu es dans un nouveau poste, une nouvelle position. Au lieu d'être seulement un simple travailleur, tu travailles seulement, un simple salarié. Je te vois devenir le chef de ton entreprise. Je te vois un PDG. Que la grandeur soit ton partage. Au lieu de te voir dans une petite maison, hein? Ah, si tu en, surtout en France ici, des gens de petites maisons, petits logements. Ah! Une fois j'étais invité chez quelqu'un, j'avais même du mal à entrer dans la maison parce qu'il fallait, que je me courbe un peu, il fallait que je courbe mon dos pour entrer dans la maison parce que c'est tellement petit. Oh! On a des chrétiens parfois qui dorment, ici on part à Paris, il y a certains qui dorment même dans des lavabos. Le lavabo, c'est une chambre. Non, j'ai pris pour toi que la grandeur soit ton partage. Que Dieu t'accorde une grande maison. Que Dieu t'accorde un grand logement. 3 chambres, 2 chambres. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que Dieu t'accorde la grâce de vivre la grandeur. La grandeur dans le logement. La grandeur dans la maison. La grandeur dans le business. La grandeur dans le salaire. De la grandeur dans les finances. La grandeur au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Recevez la bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi. Que Dieu te bénisse. À partir d'aujourd'hui, tu es grand. Pourquoi? Parce que ton Dieu est grand. À partir d'aujourd'hui, tu es un créateur. Pourquoi? Parce que ton Dieu est un créateur. À partir d'aujourd'hui, tu es puissant. Pourquoi? Parce que ton Dieu est puissant. À partir d'aujourd'hui, tu es fort. Pourquoi? Parce que ton Dieu est fort. À partir d'aujourd'hui, tu es une lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Tu es le Fils de lumière. Que la lumière soit ton partage. Sois éclairé par la lumière. Sois éclairé par la parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour toi. Toi qui vis dans le péché, réponds-toi de tes péchés. Dieu n'aime pas le péché. Parce que le péché te sépare de ton Créateur. Toi qui es un sorcier, réponds-toi de la sorcellerie. Satan, c'est un menteur. Tu peux faire un contrat avec le diable aujourd'hui. Il va cacher ce que tu ne sais pas. Il ne va pas te montrer la partie négative de ce contrat. Satan, il est un menteur. Il est un très mauvais collaborateur. Je prie mon frère, toi qui vis dans la sorcellerie, toi qui es un occultiste, réponds-toi. Dieu t'aime. Parce que si aujourd'hui tu meurs dans le péché, tu vas aller dans le tourment. Ton âme ne sera pas dans la paix. Si tu meurs aujourd'hui dans le péché, dans l'abomination, tu n'iras pas au paradis. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfer existe et le paradis existe aussi. Mais fais un choix aujourd'hui de craindre Jésus, d'accepter Jésus. Parce que nous sommes au temps de la fin. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Est-ce que tu crois que si tu sèmes le péché, tu auras la vie éternelle? Non. Le salaire de péché, c'est la mort. Toi qui es méchant, tu es jaloux, réponds-toi de ces choses. Soyez bon envers tous. Et prépare-toi pour le retour de Jésus. Parce qu'il revient pour nous prendre dans peu de temps. Dieu t'aime. Il veut que lorsque son fils sera de retour, que tu sois enlevé. Que tu sois enlevé afin de vivre avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Toi qui réponds Amen, allez, reçois ta bénédiction, ton miracle, ton succès, la clé de ta voiture, la clé de cette maison, la clé de ta nouvelle maison, la clé de ton mariage. Toi qui réponds Amen, ton Amen est en train d'être changé en miracle. Toi qui réponds Amen, ton Amen est en train d'être changé en puissance. Toi qui réponds Amen, ton Amen déclenche la grâce. Ton Amen déclenche un miracle. Ton Amen déclenche l'onction. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Toi qui dis Amen, reçois. Que Dieu te bénisse, Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chambre de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes édifiés à travers cette vidéo parce que je crois que le Seigneur vous a bénis parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chers chrétiens, en même temps, je profite de vous demander de soutenir ces ministères, de soutenir Rema Web. Il est écrit dans la parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu croit en toi. Et nous, dans ce ministère, nous croyons aussi en vous. Et merci déjà, merci à tous nos donateurs, à tous nos partenaires. Et toi qui n'as pas encore soutenu, il n'est jamais trop tard. Soutenez ce ministère. Parce qu'en donnant, en contribuant dans ce ministère, vous êtes en train de contribuer à l'évangélisation. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu promet d'honorer tout ce qu'il honore. Dieu dit dans sa parole, il honore ce qu'il honore. Si vous honorez Dieu par vos dons, croyez-moi, Dieu finira aussi par vous honorer. Il dit dans sa parole que ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Donnez par rapport à vos moyens. Donnez par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Il n'y a pas de limites. Tout ce que vous avez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et faites-le avec joie. Parce que Dieu aime lorsqu'on donne avec un cœur joyeux. Que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Merci pour votre présence. Merci le fait que vous êtes dans ce ministère et vous suivez le prière de Rema Web. Vous suivez de vidéos de Rema Web. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes aussi connecté pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube ou bien si vous êtes sur notre page de Rema TV sur Facebook. Aimez la vidéo et partagez cette information afin que plusieurs puissent savoir que nous sommes là pour l'évangélisation, pour parler de Jésus-Christ. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus, 100% délivrance et 100% onction. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Joël Onikanda. Soyez puissamment bénis. Shalom. Bienvenue dans la présence de Dieu. Tous les dimanches à 16h. La nouvelle Jérusalem, mais moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, mais moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, je vais y aller. L'adresse est 2 rue du Pilier 93300 Aubervilliers. La ligne 12 est le métro Front Populaire. En cette année 2024, le mois de janvier est béni. Il dit le mois de janvier est béni.
Je bénis ton sang au Jésus de Nazareth. S'il y a la malédiction dans ta famille, à cause de son qu'elle doit hériter, moi j'impose, je loge la parole de Dieu. Je loge la parole dans ton sang. Je loge la bénédiction. Je loge le bonheur. Je loge la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Venez vivre la gloire du Seigneur par des prières de combat spirituel. Que tout ce qui est caché dans le ventre, que tout ce qui est caché en toi, que tout ce qui est caché en toi, que toutes ces semences qui se cachent, que toutes ces semences qui se cachent, mais qui troublent ta vie, au nom de Jésus, ces semences de célibat, ces semences de la peur, ces semences de la peur, ces semences de la peur de mourir avant le temps, la peur pour ne pas réussir, la peur de la solitude, la peur de dormir. Je te commande, sors. Venez vivre la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Cet homme appartient à Jésus. Cet homme ne t'appartient pas. Hypertension, prends tes bagages. Laisse la place à l'Esprit de Dieu. Laisse la place à la guérison. Pression dans le Jésus de Nazareth. Laisse-la. Au nom de Jésus de Nazareth, je lui donne la grâce de cette femme. Je lui donne la grâce. L'onction du Saint-Esprit va te libérer, délivrer, sauver et de réparer ton âme. L'Église Réma Internationale vous invite pour participer au culte de puissance. Le culte où il y a la puissance du Saint-Esprit. Venez vivre l'adoration prophétique. Venez vivre la prière prophétique. Venez vivre le message prophétique. Venez vivre le service prophétique. Tous les dimanches à 16h. L'adresse est 2 rue du Pilier 93300 Aubervilliers. La ligne 12 est le métro Front Populaire. Que Dieu vous bénisse. Idolâtrie, pouvoir de l'idolâtrie, pouvoir de la malédiction. Libère maintenant. Libère cette salle. Libère cette salle. Libère. Rétrogradation. Pouvoir de blocage. Pouvoir de blocage. Sors. Pouvoir de l'échec. Pouvoir de l'insomnie. Pouvoir d'infirmité. Sors. Le Saint-Esprit en action. Bienvenue au jeudi prophétique. Le Saint-Esprit libère, le Saint-Esprit délivre, le Saint-Esprit guérit, le Saint-Esprit restaure. Tous les jeudis de 18h30 à 20h15 à Aubervilliers. Le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu qui avait délivré les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise, il est capable de te délivrer aussi. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui avait opéré de grands miracles, il est capable d'opérer le même miracle aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à notre programme de jeudi prophétique où il y a un moment de prières intenses, prières prophétiques, des déclarations puissantes pour impacter ta vie. Il y aura aussi un moment d'enseignement où il y aura la parole et la puissance de Dieu qui sera prêchée par le signe et le prodige. Et surtout, dans jeudi prophétique, il y aura du service, de délivrance et de prophétie. Avez-vous un problème sérieux qui demande une intervention divine? Êtes-vous malade à tel point que vous êtes au bout? Avez-vous des problèmes? Avez-vous des souffrances? Sentez-vous comme si vous êtes au bout et il n'y a pas de solution? Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, qu'il y a la solution en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je vous invite tous les jeudis à partir de 18h30 où nous nous retrouvons pour passer un moment de la prière, un bon moment de la prédication, un bon moment de la démonstration de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les jeudis à partir de 18h30, nous nous retrouvons à Aubervilliers, 2 rue de Pilier 93-300 Aubervilliers. Venez vivre la puissance de la parole de Dieu. Venez vivre la puissance de Saint-Esprit. Peu importe le problème que tu as, je crois que le Dieu de la Bible est capable de te libérer. Venez ce jeudi pour vivre la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le prophète Joël Onikada. Shalom.
L'adresse est 2 rue du Pilier, 93300 Aubervilliers. La ligne 12, le métro Front Populaire, prenez la deuxième sortie.